Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier grattage de notre petite série de Noël. Donc aujourd'hui pour les deux tickets à 10 euros, le mot croisé à 10 et le millionnaire. En tout cas, merci de vos gentils commentaires. Cette série vous a beaucoup plu, donc en tout cas merci encore d'avoir regardé, ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui, puisque je tourne cette vidéo la veille, hein, donc vendredi hein, pour samedi, il neige, il neige, on termine bien cette petite série de grattage. Donc on va commencer par le millionnaire, parce que le mot croisé va nous prendre 3 ans. Alors, excusez-moi pour ma voix, hein, j'ai chopé je ne sais pas trop quoi, un début d'angine, j'en sais rien, mais j'ai super mal à la gorge. Bon, j'ai pas encore perdu toute ma voix. Alors, commence par le millionnaire, je fais un petit zoom comme d'habitude. Le jeu numéro 1, trouver deux mêmes symboles dans le même segment pour gagner le gain, lunettes, trèfle et perles. Pour le premier segment. Bon, j'espère qu'on va quand même bien terminer hein, avec un petit gain sur ces jeux à 10. Des billets et pièces. Oh, j'ai cru que c'était les billets. Cadeau, couronne et palmier. Arc-en-ciel. Papillon et une clé. Des doigts croisés, excusez-moi. Un coffre et aïe aïe, le dollar. Et dernière chance dans ce jeu 1, le smiley. Une coccinelle et une tirelire. Bon, c'est perdu pour le jeu numéro 1. On va continuer. Avec le jeu 2, deux symboles identiques sur les lingots. On commence avec 10 euros. Bon, c'est le gain le plus. Celui où on a le plus de chances d'avoir. Le gain qu'on a le plus de chances de gagner, excusez-moi, même si je crois que. Ah, 10 000. Même si je crois que il y a plus de chances d'avoir 20 euros que 10 hein, sur ce ticket. On regardera juste après. 20. 20 euros. 50. 150, 100, 1000 et 100 000 perdus pour le jeu numéro 2. Jeu numéro 3, il faut que le diamant soit plus lourd que le saphir. 19 et 20, oh là, et c'est fait exprès, hein. 26 et 29. 22 et 24. Ah, ils sont sympas. Hein. Bon, ben, jeu 4. Trouver un petit sac d'or. On espère. Oh! On a gagné! On a gagné sur ce millionnaire. Ah, ben voilà. Le petit sac d'or. Ça fait plaisir. On verra le gain à la fin. Au moins, on est sûr d'avoir quelque chose. Rubis. Est-ce qu'on peut avoir deux sacs? Je ne sais pas. Dollars. Cadeau. Billets et un colis. Bon, 20 euros, ce serait bien. Hein, ça nous rembourserait l'intégralité du grattage. On va voir. Bon, 10 euros. Bon, on a remboursé le millionnaire. C'est déjà pas mal. Attendez, je vais juste voir si ce que je disais était bon. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Oui, effectivement. Ah oui. 760 000 à 10 et 840 000 à 20. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez voir le tableau des lots, si vous en souvenez plus. Et 4 tickets sur 6 millions à 1 million d'euros, mais ça, le jour où il sera là, devant vos yeux, on en reparlera. Hein? Alors, le méga mot croisé. Ouh là là. Oui, par contre, là, le zoom ne sert à rien, parce que sinon, vous allez rien voir du tout. Déjà que je trouve que le ticket est trop gros. Je trouve que, je sais pas, les tickets à 10 euros sont trop gros. Regardons ce qu'on a. On a
On a des E, on a un mot bonus sans E, attention. Bon, on a un Q. Il n'y a pas de Y, j'ai l'impression, ça c'est pas mal. Il n'y a pas de J non plus. Bon, il y a quelques X, des V, etc. On verra ce que ça va donner. Première lettre, pas mal, on commence bien. R. Rien dans les mots bonus, par contre, pour le R. Hein. R. Ok, et en bas, j'espère que vous allez voir quelque chose en bas. Hein. R. Ok, non, il y en manque un. Je crois que c'est bon pour le R. Au pire, on y reviendra hein, si on se rend compte qu'on en a oublié. Un C. C'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. J'en vois pas dans la deuxième grille. Heureusement, il y en a ailleurs. Un C dans la deuxième grille. Non, j'en vois pas. Et dans les mots bonus non plus. Un P. Bon, pour l'instant, on a des bonnes lettres. Hein. Un P, un P. Il n'y en a pas 50 des P en fait. Hein. Non, là il y en a un. Un P, ok. Un V. J'en ai vu quelques-uns dans la deuxième grille. On va voir ailleurs déjà. En fait, il y en a deux. V, V, et en bas, non. Un G. Un G. Ah, il y en a un ici. Dans AG. Dans le mot bonus, en bas, il n'y en a pas. Là, il y en a un. G. Ok, j'en vois plus. Un L, pas mal. Enfin, quand je dis pas mal, c'est en général, hein. Oui, ben j'ai bien fait de dire ça parce que j'en vois pas d'autres. Il n'y a pas d'autres L. Ah, si là. Oh, il y a que deux L dans les trois grilles. Ah non, là, on a un autre. Ok, bon. Un T. Un T, un T, un T. Il y en a un là, dans le mois 50 euros. J'ai jamais eu un gain là-dessus. Hein. T. Ils auraient pu en mettre deux là aussi. Enfin, par exemple, un mot à, je sais pas, 25 et un autre à 50. Peut-être pour avoir plus de chances de gagner sur les mots bonus. Quoi que si on gagne là, c'est souvent. Bon, enfin. C'est souvent dit, je pense. Bon, sauf le coup où on a eu 100. Hein, vous pouvez aller revoir la vidéo. Enfin, on l'avait pas eu en vidéo, mais je l'avais eu hors vidéo. Je vous avais fait, je vous avais montré. T. Il y en a pas mal du T là. Regardez. Pas mal. Le T est pas mal. Ok. Est-ce qu'on termine avec les voyelles? Ce serait bien. Non. Oh là là. Aïe, 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 ça veut dire qu'on va avoir que 3 voyelles maximum. Et ça, c'est embêtant. Parce que j'en vois quand même pas mal. H. Là. Un deuxième H ici. Il y a quand même pas mal de H au final. Et on termine la première ligne par un B. Un B. J'en ai pas vu 50, moi. Des B et en bas non plus je crois hein. Non bon deuxième ligne on commence oh là là ils sont tous à la fin oh, les voyelles sont à la fin bon un X fallait bien qu'il tombe un X un X ouais N pas mal
Le N, c'est une bonne lettre, hein. Ah, il y en a quand même plus que les autres, hein, là. Du N. N, j'oublie un G. Le S n'est pas tombé encore. Est-ce qu'il va tomber? Oh, fallait bien qu'il arrive. Le Q du mot bonus. M. Ça peut servir. Ça peut servir, mais il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. D. Bon, il est là. On l'avait tous vu. Je commence à me demander ce qui manque. Un hein. F. Voilà. FS, il manque un. Hein. Il manque FS. D, j'ai oublié. D. Et le problème, c'est que j'ai peur qu'on n'ait pas le S parce que. Alors, soit on a le S maintenant, soit c'est trois voyelles. C'est facile parce qu'en fait, je vois pas ce qui manque d'autre comme consonne. Hein. On a deux F là, ça peut être important si on a un E. Ben oui, je crois qu'on a tout eu comme consonne à part le S. Ah, bon, ben on commence. Un I. Déjà, ça va être compliqué d'avoir les mots bonus parce qu'il y a un O-S-A-E. Donc, ça va déjà être très très compliqué d'avoir les mots bonus. Bon, on va voir ce que ça va donner. Un I. Allez, si là on n'a pas au moins un mot, ça va être compliqué. À moins qu'on ait un A. Là, ça nous sauverait de notre embarras. Ou un E, bien sûr. Ah, si, on a un mot là, c'est vrai. J'avais oublié. On a un mot, on a ici. J'ai oublié le R. Bon, tout dépend de ce qu'il va avoir. Aïe, 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 aïe. U. Aïe, aïe, c'est pas la meilleure, à mon avis. U. C'est le suspense, l'attention, hein, c'est. Ouais, ben là c'est foutu. Les mots bonus, c'est foutu aussi. Et oui, il n'y a pas le S, donc de toute façon. Oh là là, un U, qu'est-ce qu'il nous faut un O? Il nous faudrait un O, hein. Oh là là, faut qu'il tombe lui aussi. Oh là là. Le A, le problème, c'est que j'ai peur qu'on n'ait pas de mots avec le A, en fait. Enfin, qu'on n'ait pas plusieurs mots dans la même grille. Donc là, on a un, ok. Là, on n'a pas le S. Ils sont sympas. Là, on en a un. Je l'ai vu. Mais on n'a pas le reste. Oh, si on a... oh, si on a quelque chose. Ah, on a deux mots. Oh, on a deux mots. On a quelque chose. Est-ce qu'on a autre chose alors? Pas sûr. Hein, le... Ben non, il n'y a pas de O. Le A, non. Alors, attendez. Parce que là. Alors attendez, 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 attendez. A-U-I. Donc les mots bonus, c'est cuit. Hein. S, il n'y a pas. O, il n'y a pas, on est d'accord. E non plus. O-E-E. Donc là, il y a un mot. J'en vois pas deux, moi. Ok. Là, il y a deux mots. Alors, on vérifie. V-I-A et naïf. Je vois plus mon N. N-A-I-F. Là, on en a deux. Est-ce qu'on a autre chose? J'oublie un U. Ah, ce S, quand même, hein, il nous embête. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Fort, rue, non, ben non. Non, non. Et en bas, il n'y a qu'un mot aussi. Hein. Ici, à moins qu'il y en ait un autre qu'on n'ait pas vu, mais non, parce qu'il reste du E. Le O, il y a quand même pas mal de O. Hein. Le I, j'oublie un I. Ben, je crois que ça fait 10. Alors, je crois qu'il y a encore les... Oui, c'est sur le 10 qu'il y a encore les trucs. Ah, oui, ben c'est bon. Je crois que le cœur, c'est 10. Je crois que le cœur, c'est 10. Bon, et ben on termine pas trop mal ce grattage de Noël. Je vous le remets. 10 ici et 10 ici avec les deux mots. Donc, bon, ben on a remboursé entièrement le grattage. C'est parfait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avoir regardé la petite série de Noël. Vous avez été quand même nombreux, hein, à réagir et à trouver cette petite série de Noël sympathique.
Merci à vous. Je vous souhaite, enfin, comme d'habitude, laissez un pouce bleu, etc. si ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon du 31, et je vous donne rendez-vous pour le prochain grattage abonné l'année prochaine, en 2018. Ce sera le 12 janvier. C'est un vendredi. Voilà. Le vendredi 12 janvier, il est possible qu'une vidéo avant, si le nouveau fétiche sort avant. Voilà. Il y aura également le nouveau ticket polaire le 29 janvier. Voilà. Donc en tout cas, merci, bonne fête, et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Bye bye.